Fan absolu de Jaime Gloriana Villanueva et Saki, testez vos connaissances sur la telenovela avec ce quiz spécialisé. Attention, spoiler, comédie dramatique romantique et telenovela satirique, Jaime the Virgin est une série pas comme les autres. Avec son narrateur omniscient hilarant et ses indications écrites à l'écran à vous faire mourir de rire, elle a tout d'original et de déjanté, de drôle et de décalé, elle qui est intelligente à souhait. Adapté d'une telenovela vénézuélienne et développée par Jenny Snyder-Urman, le show débarque sur la CW en 2014. Et si son titre laisse d'abord perplexe, la série, elle convainc sans problème un public dévoué. Tout commence lorsque Jane, 23 ans, vierge et croyante, tombe enceinte après une insémination artificielle accidentelle par sa gynécologue. Après cela, rien ne va. Garder ou non le bébé, relation compliquée entre Jane, son petit ami et le père du bébé, la vie de la jeune femme bascule et les folles péripéties, tout droit sorties d'une telenovela, s'ensuivent. Jane the Virgin, 10 questions pour les fans de la série fan absolue de Jane Gloriana Villanueva et Saki. Testez vos connaissances sur la telenovela avec ce quiz spécialisé. Attention, spoiler, quel est le plat préféré de Jane? Quel âge avait Yomara lorsque Jane est née? Comment s'appelle la show accent circonflexe TEL de Raphaël? Comment s'appelle la telenovela à succès de Rogelio dont Jane, Ipso et Alba sont fans? Jane et Raphaël se sont embrassés pour la première fois alors que Jane était déjà enceinte de Matteo. Vrai ou faux, Sim Rostro est aussi, Jane est la seule à se faire artificiellement inséminer au cours de la série. Vrai ou faux, comment s'appellent les jumelles de Raphaël et Petra? Quel est le titre du livre de Jane, qui se révèle être le narrateur de la série? Rogelio est sous le choc. C'est pas encore ça, il va falloir faire mieux pour impressionner Petra. Beau score. Jane est impressionnée, bravo, Jane est si fière de toi. Véritable parodie des soap-opéras latino-américains, Jane the Virgin est acclamée par la critique en particulier pour son écriture et la performance de son actrice principale. La série et sa star seront même nommées au Golden Globe, un prix que Gina Rodriguez remporte, à juste titre. La conclusion du show en 2019 en a laissé plus d'un nostalgique, on ne doute pas que vous en faites partie, alors on a préparé un petit quiz pour revivre ces bons moments tout en s'amusant. À vous maintenant de jouer et de prouver que vous êtes le plus grand fan de Jane, Raphaël, Yomara, Michael, Rogelio, Matteo, Petra, Alba et tous les autres. We'll be right back.